Vissa säger att vi kommer från stjärnorna. Att vi blev till av stjärnstoft. Att vi en gång virvlade in i världen från ingenstans. Vi vet inte. Så vi går till parken. Au début, le livre des airs des jeux est né d'une envie de parler de vide. Dans la première partie de mon travail, il n'y avait que des airs des jeux abandonnés, où il y avait ce contraste entre la nature, comme des énormes rochers ou des plaines, et des structures des jeux. Ces dessins, je les ai continués au moment quand la pandémie a vraiment explosé et qu'on passait donc devant ces parcs désertés. Ce qui m'a intéressée à partir de ce moment-là, c'était de parler de tous les enjeux, comme par exemple toutes les hiérarchies, tous les conflits, ou les découvertes, ou alors les passions, les allées, les retours, les abandons, toute la liberté en fait que ces airs des jeux me semblaient évoquer. Le fait qu'ils soient réellement abandonnés a fait que petit à petit les enfants ont commencé à arriver. Donc au début par petites touches, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des airs des jeux presque pleine de foule. Je pense par exemple à l'image avec l'éléphant. C'est devenu une sorte d'allégorie de quelque chose qui me tenait à cœur, qui parlait vraiment de tout un monde aussi adulte, en fait, au final. Ja, jag hade alltså givit ut flera Beatrices böcker tidigare så lärt känna henne under den här tiden. Hon är en av de allra främsta illustratörerna tycker jag. Och hon har hunnit bli en god vän. Vi träffades i Bologna. Det var ett stort antal bilder som var alldeles fantastiska. Och föreslog att vi kanske skulle kunna göra någonting tillsammans utifrån detta. Ganska snabbt så kom jag på idén att fråga Sara Stridsberg som jag då hade precis avslutat ett samarbete med. Ja, jag tog med det hem till Sara och visade bildmaterialet och det var hon blev också väldigt tagen av det. Och hon tog med sig ett antal skisser och var borta över en helg. Och när hon kom tillbaka sen så kom hon med en text som var som i princip är den vi har använt sen. Jag skickade den till Beatrice som också omedelbart tyckte väldigt mycket om den. Vi bestämde oss för att göra ett samarbete helt enkelt mellan det här fantastiska bildmaterialet och den otroligt fina texten. Vi vill inte tillbaka dit där vi var innan. Där var bussar och affärer och tunnelbanor och hissar och rulltrappor och lyftkranar och trottoarer. Och allt var så stort att det inte fick plats i oss. När vi sitter under de väldiga blommorna kan inte ens regnet nå oss. Vissa blommor är lika stora som våra huvuden. En les postant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mon éditrice suédoise Jenny Flanquet a commencé à s'intéresser à ses dessins. Et c'est à partir de là que j'ai reçu la proposition d'en faire un livre. Et surtout, j'ai eu la chance de recevoir un texte écrit par Sara Stridsberg et qui avait effectivement toute une autre approche à mes dessins, qui portait une parole très silencieuse en fait, c'est-à-dire que ça les imprégnait, ça les faisait vivre de quelque chose que je ne connaissais pas. Vi hade också möjlighet att träffas i Vanås. Det var hösten 2020
Och det här var precis när pandemin pågick också, så det var väldigt koncentrerade, intensiva dagar. Så träffades Sara och Beatrice för första gången för att finslipa innehållet och välja bilder slutgiltigt. J'étais invitée pour une semaine travailler au milieu de ce parc. C'est de là que, par exemple, je me suis inspirée de l'œuvre de la structure primaire de Jacob Dahlgren qui était à Vanos. Et voilà, c'était très inspirant en fait de me trouver immergée dans ce contexte d'art et de nature du sud de la Suède, du parc de Vanos. Här sträcker träden sina kronor som gamla händer in i himlen. Träden har stått här i 1000 år och tänker stå kvar lite till. Vi som träden, vi vill inte heller gå härifrån. Flera evigheter att ta sig tillbaka när vi jagats därifrån. Ska vi till parken, mamma? Senare. Nu då? Om en stund. När går vi? Sen. Okej, när är det sen? Sen kan räknas i ljusår. Je pense que le livre est un objet un peu particulier parce que ce n'est pas l'enfant. La personne à laquelle, au final, je m'adresse vraiment. D'ailleurs, le texte de Sarah Strisberg n'est pas un texte de livre pour enfants, est un texte, en fait, pour un public très large. Et donc, le fait que ce livre soit aussi ouvert en fait, à mes yeux, un livre différent par rapport à mon propre travail. Certains disent que nous venons des étoiles, que nous avons vu le jour grâce à de la poussière d'étoiles, que nous virevoltions autrefois dans l'univers avec nulle part comme origine. Nous, on ne sait pas. Donc, on va au parc.